Je voulais dire ici, Ousmane Gawal, les personnes qui s'acharnent contre Ousmane Gawal aujourd'hui pour faire plaisir à Sylvie Ali-FDG, vous n'aimez pas ces loups d'alain. Vous n'aimez vraiment pas ces loups d'alain parce que si vous aimez ces loups d'alain, vous allez laisser Ousmane Gawal en paix. Vous n'allez pas insulter Ousmane Gawal, vous n'allez pas attaquer Ousmane Gawal, vous n'allez pas faire quoi que ce soit d'Ousmane Gawal qui va lui faire démissionner de son poste. Vous n'allez rien dire d'Ousmane Gawal qui va faire que Mamadi va l'enlever dans son gouvernement. Donc vous ne faites que vous fatiguer en fait. Par contre, vous renforcez l'amour de Mamadi sur Ousmane Gawal. S'acharner contre Ousmane, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Ousmane Gawal était en prison le temps de Alpha Condé. Il a fait combien de temps? Est-ce que Sylvie Loudal est allé le voir? Est-ce qu'il s'est déplacé un jour pour partir aller le vous rencontrer, dire que ah, il est là à cause de moi? Il est allé en prison pourquoi? Hein? Ousmane Gawal s'est acharné ici contre Alpha Condé, contre nos cadres du RPG. Hein? À l'époque, c'était le Gorko Soussaï de l'IFDG. Quand il s'attaquait à Alpha, quand il s'attaquait au RPG Arc-en-Ciel, il s'est opposé ici. Il a compris que ça ne va rien lui servir. Vous voulez qu'il fasse la même chose avec le CNRD? Il a compris. Hey, il faut être un maudit pour s'attaquer à un pouvoir. Il faut être un maudit pour ne pas, comment je vais dire, être opposant éternel à un pouvoir. Moi, je suis pas. Moi, ça va être la dernière personne, Mamadi Doumbouya, avec sur qui je vais m'opposer. Billahi wallahi hein? Tu ne l'aimes pas? Ok. Tu as un candidat, tu le soutiens. Mais s'attaquer, 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 ça te sert à quoi? Vous n'aimez pas Sylvie Loudal, vous n'aimez pas l'IFDG. Sinon, wallahi billah, vous allez laisser Ousmane Gawal en paix. Il ne vous a rien fait. Vous êtes acharné ici contre Charles Ouette. Aujourd'hui, Charles Ouette n'est pas ministre. Ça a changé quoi dans votre vie? De fait que Charles Ouette n'est plus ministre là, est-ce que le lendemain que Charles Ouette a quitté son poste, est-ce que nos cadres qui sont en prison aujourd'hui sont sortis? Est-ce que les personnes qui sont en prison dont vous accusez Charles Ouette, est-ce qu'eux ils sont libres aujourd'hui? Charles Ouette a quoi à voir? Deux fois, moi, je vois des gens, sincèrement, hey, vous ne connaissez pas la politique. Vous parlez pour parler. Mais je ne vous en veux pas. Il y a des gens qui sont sur les réseaux, qui ont monétisé leur page. Les réseaux sociaux, ça fait de l'argent. Hein? Moi, je connais des gens ici. Wallahi billahi tallahi. Le mois, il peut se faire les 20 000 dollars, 20 000 euros. 20 000 euros, 20 000 dollars. Eux, ils travaillent pour Facebook. Même si un sujet ne les regarde pas, ils vont en parler parce que ça va leur donner de l'argent. Plus les gens regardent, plus eux, ils se font de l'argent. Donc, tous les jours que Dieu va faire là, eux, ils vont trouver des sujets pour quoi dire, sur quoi dire sur les gens. Je suis la seule Guinée, je peux mettre ma main sur le Coran. Je n'ai jamais mangé 1 dollar des réseaux sociaux. Jamais mangé 1 euro. 1 dollar des réseaux sociaux. Non. Pourtant, je suis l'une des Guinéennes la plus suivie. Je fais une vidéo tout à l'heure. Tout de suite, là. À 2 heures, 3 heures de temps, la vidéo est à 20 000, 20 et quelques mille vues. Je peux me faire de l'argent. Mais quand la mangarde de venir manger l'argent où j'ai. Soit j'ai insulté, où il y a des gens ont insulté, où. Quand la mangarde, je ne veux pas l'argent, là. Donc, laissez Ousmane Gawal en paix. Hey, en Guinée, là, si on veut un changement. Si on veut aujourd'hui voir tous les ministres là dehors, c'est Mamadi qui doit partir. Si un Guinéen est contre le pouvoir du CNRD, la seule personne qu'on doit attaquer, c'est Mamadi Doumbouya. Quand on parle des mangues, c'est parce qu'il y a eu Manguié, non? On parle des mangues. Est-ce que s'il n'y avait pas le Manguié, on allait parler des mangues? On n'allait pas parler. Quand tu veux aujourd'hui récupérer tous les mangues sur les manguiers, qu'est-ce que tu dois faire? Tu viens, tu arraches le manguier, tu le mets à terre. Est-ce que le manguier là va encore produire des mangues? Non. Donc tout le problème, les têtes, quoi, tout là, c'est seulement Mamadi Doumbouya. Mamadi quitte aujourd'hui, on ne va plus parler d'Ousmane Gawal, on ne va plus parler de X ni d'Y, on ne va plus parler de qui que ce soit. Mamadi a montré ici, c'est lui le président, c'est lui le chef. Il a enlevé Charles Ouen. Pour beaucoup de personnes que Charles Ouen était intouchable. Il n'est pas intouchable. Mamadi l'a enlevé. Qu'est-ce que Charles a fait?
Vous avez entendu Charles White aller à la radio dire que Mamadi se retraite? Vous avez entendu Mamadi Charles White est allé faire un statut sur sa page pour dire que Mamadi est en traite? Qui sait quand il dit ça, il aura affaire à Mamadi. Donc c'est Mamadi le président actuel en Guinée. S'il y a quelqu'un sur qui, si on est contre quelqu'un là, c'est Mamadi Doumbouya. Si on doit être contre quelqu'un, c'est Mamadi. Si on veut un changement en Guinée, c'est Mamadi qui doit partir. Laissez les ministres en paix. Vous faites des ennemis dans le vide. Vous faites des ennemis zéro. Je vais profiter de parler de Ansou Damoro ici. Moi, quand je suis venue ici aux États-Unis, il y a eu deux fédérations qui m'ont accueilli ici, qui m'ont donné de l'argent. Le fédéral, les militants de Bah Ousmane et les militants de Bah Houri, c'est les deux fédérations qui sont venues me trouver là où j'étais. Chacun d'eux m'ont donné 2 000, 2 000, ils m'ont donné 4 000 $. Et les gens là m'ont appelé pour me dire quoi qui va arriver entre Damaro et moi. Quoi qui va arriver entre Damaro et moi. De ne jamais attaquer Damaro sur les réseaux. De pardonner tout ce qui s'est passé. Damaro même. Damaro me soutient. Damaro me fait. Ils ont tellement parlé de Damaro. Aujourd'hui, ils ne s'attaquent pas aux militants, à Bah Ousmane. Parce qu'il est du RPG. Mais aujourd'hui, il attaque Bah Houri. Il attaque tout le temps Bah Houri. Les militants qui sont là, que je connais, qui aimaient Damaro. Aujourd'hui, la dernière fois, ils ont parlé de Fatou, nous, on est dessus de Damaro et tout. Ils m'ont dit ça carrément. Pourtant, tu sais, et je sais, wallahi, sur le ramadan, les gens là aiment tellement Damaro, ils adorent Damaro. Mais comme Damaro aujourd'hui s'attaque à leur président, que eux ils aiment, l'estime et l'amour et la considération qu'ils avaient pour Damaro, ils n'ont plus ça. Donc, c'est pas deux fois s'attaquer à tout le monde, tu risques de te faire des ennemis là où tu devrais pas avoir des ennemis. Tu risques d'avoir des ennemis où tu ne méritais pas, en fait, des personnes qui t'ont aimé sans même les reconnaître. Les militants de Bah Houri qui sont ici en Europe, aux États-Unis, à New York ici, ils adoraient, c'est qu'ils aiment tellement Damaro, ils m'ont appelé spécial pour dire quoi qui va arriver entre Damaro et moi. Jamais de la vie de ne pas attaquer Damaro, parler de Damaro sur les réseaux sociaux. Quand ils m'ont appelé la dernière fois, je dis wallahi. Donc Damaro deux fois, il s'attaque à des ministres, il s'attaque un peu à des gens. Sinon, sincèrement, Bah Houri ne l'a rien fait. Je peux l'appeler pour le dire. Hein. D'abord, je l'ai dit la dernière fois. Mais je suis pas son. Il n'est pas mon enfant. Il fait ce qu'il veut. Il n'est pas mon petit frère. Si c'est nié aujourd'hui, je lui dis arrête certaines choses et tout, il va arrêter. Moi, je pense que la personne qu'on doit cibler en Guinée, la seule personne que tout le Guinéen doit attaquer là, c'est Mamadi Doumbouya. Parce que c'est lui qui a la tête. C'est lui qui s'est nommé général. C'est lui qui nomme les ministres. C'est lui qui enlève les ministres. C'est lui qui a tout en fait. Il est la seule personne à qui condamner. Quand aujourd'hui cette transition reçue et tout, c'est Mamadi Doumbouya. Si aussi ça tourne à l'envers là-bas, c'est Mamadi aussi. Il n'y a pas une autre personne à qui on doit en vouloir en Guinée à part Mamadi. Oh, en 5 minutes, qu'on doit en vouloir à plus Mamadi Doumbouya. Donc si on doit attaquer quelqu'un, si on doit parler de qui que ce soit, c'est Mamadi Doumbouya, dans les conditions normales, pour ne pas se faire des ennemis dans le vide en fait. Moi jamais je vais m'attaquer à un ministre. Jamais, ni 5 minutes. Jamais je vais m'attaquer à un ministre. Parce que je sais que le ministre n'a pas le pouvoir. Le ministre n'est rien. C'est Mamadi qui a fait de ce ministre un ministre. Le jour où il décide de l'enlever, il va l'enlever. Rien ne va sortir. D'ailleurs, l'exemple est là. L'exemple est ici. Charles White aujourd'hui. Charles White qui l'a aimé, qui l'a tout donné, il est où aujourd'hui? Charles White qui l'a soutenu, Charles White qui s'est fait des ennemis aujourd'hui à cause de Mamadi Doumbouya. Et d'ailleurs, ça même, ça va donner de leçons aux autres ministres. Ils vont se dire, ah, ce que Charles White n'a pas épargné, c'est nous-mêmes. Ils vont manger l'argent, ils vont se taire. Plus personne ne va accepter de se sacrifier pour Mamadi, affronter les autres pour Mamadi, parce qu'après, ça va retourner sur eux. Mamadi ne sait même pas ce qu'il veut. Wallahi billahi, il ne sait pas ce qu'il veut. Parce que moi, quand quelqu'un m'aime est prêt à tout pour moi, même si tu es le plus mauvais, c'est la force de l'IFDG. IFDG, quel qu'en soit ta méchanceté, quel qu'en soit tout ce que tu vas faire comme mal, si tu es dans l'esprit de leur président, c'est Loudalé, ces militants vont te soutenir, te et Allah. Ils vont tellement... Nous, on n'a jamais entendu... Non, ils sont forts, IFDG. Je te dis, ils sont forts.
Intelligence artificielle, ils sont trop forts. Je vous dis, quand je vous dis que les gens là sont forts, ils sont forts. Quand je vous dis que l'intelligence artificielle sont forts, il n'y a pas d'eux, hein. Non, mais IFDG, non, mais vous êtes des cas, hein? Vous êtes des 10 quand même. À un moment donné, moi personnellement, je vous tire le chapeau. Moi, il n'y a que moi. Tous vos dits, vos injures, vos trucs là ne m'ont jamais affecté. Parce que je savais. Alors, si vous aimez Seloudalé, laissez les personnes qui ne sont pas dans l'IFDG. Ousmane Gawal était dans l'IFDG. Nous, les Nielos, on était dans l'IFDG, on a quitté. On nous a insulté, tout. Vous avez vu, non? On a fini par faire la paix. Vous avez vu que l'acharnement, quand vous êtes acharné contre moi, j'étais plus rebelle même. 2020, quand il est allé en prison, 2022, ce que j'ai fait, l'acharnement. Votre acharnement m'a rendu une autre personne sur les réseaux. Je suis devenue une autre personne. Je n'ai pas reculé, j'ai préféré aller jusqu'au bout. Vous avez compris, avec moi, là, la force ne marchait pas. Vous êtes passé par, voilà, heureusement, mon papa Maître Bérété m'a parlé et tout. On est allé dans l'amiable, on a mis bas la terre. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui est très bon, c'est ce qui est bien. Hein? Surtout pour ce loup. Parce que malgré que nous, on a mis bas la terre, il y a des gens qui nous insultent matin, midi, soir au nom de ce loup. Tous les jours que Dieu fait, pendant un an, il y a des gens, malgré nous, on a mis bas la terre. Hein? On nous insulte tous les jours. De fait qu'on n'est pas de l'IFDG, de fait qu'on est peur, on est dans le RPG. On est insulté. On pouvait venir dire que, ok, comme vous nous insultez, vous dites le nom de Selou. Et jusque-là, Selou ne condamne pas. Aucun militant ou responsable du parti ne condamne ce que vous êtes pour. Sinon, quand quelqu'un insulte quelqu'un pendant un an, il utilise ton nom, il utilise le nom de ton parti. Tu dois dire à cette personne, je ne veux pas que tu insultes. Si vous avez des comptes à régler, réglez ça. Mais que personne ne prend mon nom, c'est Loudalé, ou mon parti FDG, allez régler ses comptes avec des gens. Mais jamais. Bon, heureusement, nous, on est des personnes de parole. Quand on décide de faire la paix, quand on te dit ok, ok, c'est ça. Sinon, là aussi, j'allais être sur ce Loudalé. J'allais l'insulter matin, midi, soir, et j'allais être applaudi par le CNRD, même si ce n'est pas publiquement. Ils allaient me soutenir et tout. J'ai refusé. Parce que je me suis dit, non, pourquoi le faire? Pourquoi le faire? Je sais le faire, vous savez déjà. Moi, j'ai pas peur. Je n'ai peur de personne. Personne ne met le lait dans mon café. Je ne suis... Personne ne me prend en charge. Je suis responsable de mes actes. Je me prends en charge. Tant que Dieu, là, il existe pour moi, je n'ai pas besoin d'un être humain. Sincèrement dit. Comptez sur un être humain. Je ne compte que sur Dieu. Allah, l'unique roi, donc. Point bas. Donc, laissez Ousmane Gawal en paix. Marwan, ne sois pas blogueur, s'il te plaît. Tu es journaliste, mais actuellement, tu es agité. Sincèrement dit, je vois que tu es agité. Regarde tout ce que tu as fait de Alpha Condé, tout ce que tu as traité de Alpha ici. Tu es ressorti pour dire que tu demandes pardon à Alpha Condé. Parce qu'après, tu t'es rendu compte que tout ce que tu faisais, et tu l'as fait, c'était aussi pour être applaudi par celui de l'IFDG. Sincèrement dit, c'était pour avoir certaines... Hey, ne cherche pas l'amour de certaines personnes. Il y a des gens là, leur amour, c'est comme tombola. Tu sais, quand tu prends tombola, tu gonfles, tu donnes à un enfant. L'enfant est là, l'enfant joue avec le tombola. Là où l'enfant est dans le plein, c'est que dans son, il est dans le plein joie là. Tombola fait pas, après tu vois l'enfant pleurer. Il y a des gens là, il ne faut même pas chercher leur amour ou affection. Cherche l'amour de Dieu. Cherche à ce que Dieu t'aime. Quand Dieu t'aime, toutes les personnes que Dieu aime vont t'aimer. Quand Dieu t'aime, les personnes qui aiment Dieu, là, ils vont t'aimer. Donc, tu n'as pas besoin de l'amour des gens. Tu n'en as rien à foutre, en fait. Ce que tu fais, moi, là, je ne suis pas contente de toi. Pas pour Ousmane Gawal, mais pour toi-même. Tu as dépassé ça. Venir dire des choses que tu t'es dit avec quelqu'un à deux. Ça ne fait pas de toi une grande personnalité. Ça va te rabaisser. Ça ne va pas te donner. Ça, en fait, ça ne va pas... Toute personne, je vais te dire,
Ce que tu as fait, Ousmane Gawal, les personnes conscientes qui avaient confiance en toi auront peur de toi. Parce qu'ils vont dire, un jour, quand il y a un problème, il va venir aussi parler. Il m'a dit ça. En fait, tu agis comme si tu étais un enfant, en fait. Hey, moi, c'est Loudalé, IFDG, des responsables de l'IFDG sur le ramadan, sur le jeûne que je suis là, je suis en jeûne. J'ai rencontré des gens dans le palais de Alpha Condé. J'ai rencontré des responsables de l'IFDG dans la cuisine d'Alpha Condé. Alpha est en vie. Regarde, j'étais la première personne qui est sortie dire Alpha Condé allait parler. Alpha Condé allait s'adresser. Alpha Condé va bien. Et aujourd'hui, vous avez vu la dernière fois. Il vous a même montré au-delà que voilà, il va très... Parce qu'Alpha, tous les actes qu'il fait, quand il ne parle pas, même c'est grave. Quand Alpha parle, il ne faut pas avoir peur. Mais quand il parle, parce que la vidéo qu'il a montrée là, hein, il est là en train de faire sport. Ça veut dire beaucoup de choses. Mais il faut connaître Alpha pour comprendre c'est qu'est-ce qui va se passer derrière cette vidéo. J'ai rencontré des personnalités, des cadres, des gens sur qui Seloudal comptait. Dans le palais Sékou Touré, dans la cuisine, parce que quand on voulait recevoir quelqu'un, et puis demain que ça, là, ça ne sort pas, c'est dans la cuisine. Et moi, je rentrais dans la cuisine d'Alpha. Moi, je suis gourmande. Quand moi, je venais là, c'est pour aller dans la cuisine chercher. Et voir ce que c'est cuisiner. Il a les meilleurs cuisiniers. Je partais prendre et je mange. Quand je l'ai rencontré, ce monsieur-là, il va tomber sur... Les messieurs-là, c'était même pas une seule personne. Bon, une seule personne. C'est deux, mais pas le même jour. J'ai rencontré deux personnes dans la cuisine là-bas. Ils vont voir ça. Je pouvais venir ici parler, dire ça. Mais est-ce que Alpha même, il allait, ce que la considération qu'il avait pour moi, l'estime qu'il avait pour moi, ça va plus jamais se reproduire. Les gens là aujourd'hui, les deux personnalités de l'IFDG que j'ai rencontrées dans la cuisine d'Alpha Condé, wallahi billahi tallah, ils vont me respecter jusqu'à la fin du monde. Avec tout ce qui s'est passé entre Selou et l'IFDG, parce que moi, mon problème, c'était même pas l'IFDG, c'était que Selou d'aller. Je pouvais venir m'asseoir, parler de ça. Mais pourquoi? Ça va m'apporter quoi après? Je suis venue, je suis allée, j'ai vu rencontrer ce monsieur-là, je dis son nom. J'ai rencontré, après, ça va me donner quoi? Je pouvais même le filmer, parce que moi, dans le palais de... Alpha Condé, je rentrais avec mon téléphone. Billahi wallahi tallahi, je rentrais avec mon téléphone. Je pouvais filmer. Mais il faut... Vous savez pourquoi Alpha Condé a eu confiance en nous? Quand on est venu au RPG, vous savez ce que je l'ai dit? Je dis si on est là, parce qu'il y a eu des gens qui ont dit, ah, c'est les enfants du père fondateur de l'IFDG, ils ont les plus grands secrets. Et on a les secrets de l'IFDG, c'est Loucet. Mais c'était les secrets entre celui et mon père. Divulguer les secrets là, c'est que si on a exposé notre père. Qu'est-ce que j'ai dit à Alpha Condé? Je dis, si vous pensez qu'on est là pour vous dire ce qui s'est passé entre celui et mon père, celui même a confiance en nous. Parce qu'il sait, tous les grands secrets se tenaient chez nous. Tous les plans, tout ce qu'il voulait faire là, ça se disait chez nous. À la maison, chez mon père. Et même les autres qui voulaient donner certaines informations, parce qu'ils avaient peur d'être enregistrés. C'est à mon père, il venait divulguer, dire à mon père. C'est à papa, il venait dire les grands secrets. Papa aussi m'envoyait, moi, et Nielé, parce que nous sommes ses enfants. Il dit, il faut aller. Et celle-là aussi, on vient, on lui parle. Lui aussi, il nous transmet. Il dit, il faut aller dire ça, parce qu'il sait qu'on ne va pas l'enregistrer. Il sait qu'on ne va pas aller dire à quelqu'un. Il nous parle, oh, papa nous envoie, on vient voir celle-là nous renvoie, on vient voir papa. Donc voilà, quand je suis venue, qu'est-ce que j'ai dit à Alpha Condé? Je dis, monsieur, à ce jour-là, je l'ai pas, il n'était pas, voilà, je ne l'avais pas dit, papa. Je dis, monsieur le président, je dis, si vous pensez que nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour vous dire ce qui s'est passé entre mon père et celle-là, les secrets de l'IFDG. Si vous pensez qu'on est là pour ça, ce n'est pas la peine de nous recevoir. On n'est pas là pour ça. Abo mi walla ma an si mi horano do ne ay sapu mo mi yata makkata ango balde jo windudo do ko billahi ara mi horano hande ne mi ketta no photo ma parce que non mi fokkitali makka alla fana yade makka kono mi ala yade makka sapu mo parce que himbe mon no do ko be ni ne on taw
Je vais pas à la Mecque. Parce qu'il y a des gens sur ici, là, il faut que je les éduque. Ils viennent m'insulter si je n'étais pas en gêne ici. C'est ce que j'allais lui dire. Feu. Masha'Allah, je suis en gêne. Donc, j'ai dit ça à Alpha Condé. Parce qu'il n'aime pas entendre le nom d'Alpha Condé. Voilà, il y a un autre ici. On vous connaît. C'est pourquoi. Il y a un autre aussi ici. Les mêmes noms là. Sincèrement dit, vous n'allez jamais changer. Heureusement que les Guinéens, les vrais Guinéens, ont compris qui vous êtes, vous les insultologues. Là. Vous ne pouvez rien sauf insulter les gens. C'est tout ce que vous connaissez. Et si c'est ce qui donnait le pouvoir là, même vos arrière-petits-fils là, allaient présider la Guinée, tellement que vous êtes des champions en insultologues. Insultez là. Vous n'avez pas vu, même nous, quand vous dites les nielés, on insulte, parce qu'on vient de vous. C'est même lignée, quoi. On a appris ça de vous. Insultez, vous n'avez pas d'autre débat, vous n'avez pas autre chose. Si ce n'est pas un jeu, vous ne pouvez pas dire bonjour à quelqu'un. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un en train de parler et puis dire que non, je ne suis pas d'accord. Vous rentrez dans les débats, c'est de venir insulter. Les gens se sont habitués de vos injures, c'est pourquoi. Je vais venir parler de ça aussi, mais allons. C'est pourquoi vous avez vu Zulouane, non? Vous avez vu Zulouane. Il y a un monsieur aujourd'hui qui est venu sur TikTok, on l'appelle Zulouane. Il est sorti, il dit, pendant 2 ans, vous insultez les communautés de la Guinée. Que maintenant, eux aussi, il est là, il a recruté des gens. Je dis, un jour, je suis montrée dans son live, il m'a fait descendre. Mais après, j'ai regardé ce qu'il a dit, je suis restée, je l'ai écouté. Il dit, pendant 2 ans... Il y a certaines peules qui sont sur les réseaux sociaux ici, qui sont en train d'insulter nos communautés ici, s'attaquer à nos communautés, nous traiter de tous les noms d'oiseaux. Nous aussi, on est là, on va répliquer, on va répondre. Tant que les gens là nous insultent, on va insulter. Après, je me suis dit quoi? Je dis, mais parce que j'étais un peu fâchée contre lui, mais je me dis, mais Fatou, si tu te fâches contre le monsieur qui réplique, c'est que tu es hypocrite. Il y a tes soi-disant frères peules. Et sœurs Peul qui sont sur les réseaux pendant 2 ans, ils sont là en train d'insulter une communauté qui est malinquée. Et il y a même d'autres qui insultent les sous-sous, les forestiers. Hein? Tous les jours que Dieu fait. Personne ne les a dit, arrête. Moi, personnellement, je les ai bloqués. Les soi-disant, mais les soi-disant Peul qui insultent sur les réseaux, là, qui s'attaquent à la communauté. Là. Parce que moi, si ils s'attaquaient à un parti politique ou à un président, j'en ai rien à foutre. Mais aller s'attaquer à une communauté, j'en ai rien à foutre. Je dis, attends, je suis allée les bloquer. Donc, j'ai écouté Zulouane. Je me suis dit, ouais, le monsieur, il a raison. Il ne fait que faire légitime défense. Et lui, là, hein? Hier aussi, j'ai vu une vidéo d'une autre femme. Ah, elle aussi, elle est venue, elle a parlé de... Et pour eux, ça va faire mal, parce qu'ils vont vous insulter, là, ils vont insulter. Et moi, et Temple, les autres communautés qui insultent ma communauté, je ne me vois pas dedans. Pourquoi? Parce qu'ils ne font que faire légitime défense. Le jour où, moi, c'est quand, pourquoi, quand j'entends certaines personnes dire que les Nielos ont insulté la communauté, vous me faites rire. Je suis Peul, je ne vais jamais insulter ma communauté. Mais le jour où moi je veux qu'on insulte ma communauté, c'est pas moi qui va insulter ma communauté. Je veux venir m'asseoir ici, je fais un lève, j'attaque la communauté malinké. Mais quand les malinkés vont sortir, vous pensez que c'est de Fatouniel ils vont parler, ou mes parents? Ils vont commencer le premier peuple que Dieu a créé, jusqu'au dernier peuple que Dieu a créé. Là, ce jour-là, oui, c'est moi qui ai fait que ma communauté a été insultée. C'est moi qui ai insulté ma communauté. Parce que c'est moi qui allais insulter la communauté d'autrui. Si tu n'aimes ta communauté, tu ne vas jamais t'attaquer à la communauté d'autrui. Donc, Zulouane, sincèrement, hier, je vois tes lèvres sur truc. Je vois les personnes, ce qu'ils disent là-bas. Comme ce que j'ai dit. Le jour où les gens l'ont arrêté, je sais que d'ailleurs, vous avez dit que vous allez arrêter. Mais tant qu'ils n'arrêtent pas, vous allez continuer. C'est légitime défense. Sincèrement, je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas du tout hypocrite. Je n'ai rien contre toi. Je n'aurai rien contre vous autres là-bas. Et quand vous insultez la communauté Peul, moi, je ne me vois pas dedans. C'est les personnes qui vous insultent là. C'est eux qui ont insulté. Et d'ailleurs, moi, s'il y a une communauté qui a insulté mes parents, c'est ma communauté, certaines de ma communauté Peul.
C'est eux qui ont plus insulté. D'ailleurs, c'est eux qui continuent en train d'insulter mes parents. Et pourtant, s'il y a quelqu'un qui a fait du bien aussi pour cette communauté, mon père fait partie. S'il y a 5 personnes, mon père fait partie de 5 là. Mais c'est certaines peules, frères et sœurs peules, qui s'assoient qui insultent mon père. On dirait que mon père a quelque chose à voir de nos comportements qu'on fait sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'était entre parenthèses pour le cas de mon frère Joulouane et tout. Ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, comment je vais dire? Vous qui attaquez Ousmane Gawa, il est temps que vous stoppez, il est temps que vous arrêtez. Il est temps, vous n'allez pas attaquer Ousmane Gawa jusqu'à ce qu'il va démissionner. Vous n'allez pas attaquer Ousmane Gawa jusqu'à ce que Ousmane Gawa, Bamadi va l'enlever là où il est. Arrêtez, laissez Ousmane Gawal. Si vous avez quelqu'un sur qui s'acharner, acharnez-vous contre Mamadi. C'est lui le président, c'est lui qui nomme qui il veut, il enlève qui il veut. Hier on a vu, hein? Les maires étaient là. Aucun maire n'est démocrate en Guinée. Sinon leur mandat a expiré depuis. Mais qui d'entre eux a démissionné pour dire que non, vu il n'y a plus de mandat là, moi je suis démocrate, je démissionne. Personne n'a démissionné. C'est hier Mamadi a décidé, n'est-ce pas? Aujourd'hui c'est fini, il n'y a plus de maire jusqu'à nouvel ordre. Donc, à un moment donné, s'il y a quelqu'un sur qui on doit reprocher quoi que ce soit, c'est le seul Mamadi Doumbouya. Seulement Mamadi Doumbouya. Donc, quand moi je suis allée au RPG, j'ai dit à Alpha, je ne suis pas là pour dire quoi que ce soit qui s'est passé entre moi et celle-là dans le passé, les autres. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Je savais, Alpha me parlait. Il a eu confiance en moi. Après, il s'est dit, oui, la fille, là, on peut avoir confiance en elle. Si j'étais venu, j'ai raconté des choses de celle ou de l'IFDG ou de mon père à Alpha Condé, il allait avoir peur de moi. Mais non, il s'est dit, ah la fille, on peut avoir confiance en elle. C'est une personne qui est discrète. Et c'est ça. Même quand je suis sortie ici contre celle, quand j'ai dit que je vais porter plainte contre celle, quand je suis sortie parler de viol ici, est-ce que c'était le temps de Alpha? Non. Pourtant, je pouvais le temps de Alpha Condé sortir parler et tout, mais jamais. C'est quand il y a eu l'acharnement qui était trop. On a tellement porté plainte contre nous. Et je n'ai jamais exposé mes conversations avec ces loups. Je pouvais exposer nos conversations. J'ai des conversations avec ces loups. Je pouvais exposer. Attendez, je vais aider les gens là. Parce que je ne sais même pas c'est qui cette personne-là. Aller de l'autre côté. Je pouvais partager nos conversations en fait. Je pouvais publier les messages, mais jamais. Donc ne faut jamais te ridiculiser en fait. Faut jamais venir dire des choses que tu t'es dit avec une personne dans le privé. C'est pas bien. Marwan, ne sois pas blogueur, tu es journaliste, s'il te plaît. Hein? L'amour que tu veux là, l'affection ou l'attention que tu veux pour, comment je vais dire, pour... que de l'IFDG ou je ne sais pas quoi, s'attaquer à Ousmane Gawa, s'il te plaît, arrête. Cette vidéo est sortie. Même si Ousmane Gawa est sorti te dire, il t'a appelé dans son bureau, il t'a dit il y a une vidéo de celle-là. Il t'a dit ça. D'accord? Ok. Maintenant, est-ce que c'est Ousmane Gawa qui a filmé? Est-ce que c'est Ousmane Gawa qui était là-bas? Est-ce que c'est Ousmane Gawa, la fille qui est là, est-ce que c'est Ousmane Gawa? C'est pas Gawal. Donc si Gawal a reçu la vidéo, même si la vidéo était sortie par Gawal, même si c'est Gawal qui avait fait sortir cette vidéo, c'est pas Gawal qui a déshabillé celle-là. C'est pas Gawal qui a déshabillé la petite. C'est pas Gawal qui a filmé. C'est pas Gawal qui est là-bas. Donc sincèrement, parler pour parler, c'est pas bien. Et si vous aimez celle-là d'aller, plus que vous vous acharnez contre Ousmane sur ce truc-là, plus l'intelligence artificielle là ne va pas disparaître. Parce que nous, on avait même oublié, on est passé à autre chose. On est passé à autre chose. Mais quand il y a un conflit entre toi et Ousmane, et puis vous parlez, non, vous parlez de la vidéo, vous ne faites que rappeler les gens, vous ne faites que réveiller encore les gens sur cette vidéo. Nous, on a oublié. Intelligence artificielle là, on a consommé ça, on a fini avec ça. Mais à un moment donné, sincèrement, moi, je pense que vous n'aimez pas celle-là. Le problème de celle-là, ceux qui pensent l'aimer ne l'aiment pas. Parce que depuis des années, depuis combien d'années vous êtes là, vous dites que vous aimez ce loup. Ça a changé quoi dans sa vie? Les personnes que vous n'aimez pas là, c'est eux qui évoluent. Vous n'aimez pas Baoury. Baoury aujourd'hui est PM, premier ministre, chef de gouvernement.
Même si c'est étiquette seulement, c'est pour la forme, il est là-bas. Mais ça va aussi rester dans l'histoire, comme ce que c'est lui avait eu là, 2006, ministre. Hein? Premier ministre. Bahoud aussi est premier ministre. Ousmane Gawal, que vous n'aimez pas, il est ministre. Il a été enlevé, il a été reconduit. Si c'est lui venait au pouvoir, c'est ce que c'est lui pouvait donner à Ousmane Gawal. Peut-être c'est ministre même de la télécommunication. C'est tout parce que voilà, lui, il aimait communiquer, sortir, parler. Peut-être c'était ça aussi. Donc, s'il y a eu des problèmes, Ousmane Gawal est allé en prison. Si lui n'est jamais allé le voir, Ousmane Gawal est allé en prison. Il y a eu des conflits. Parce que vous savez, dans la vie, là, vous sous-estimez quelque chose qui vous fait perdre des gens. L'argent est doux, hein? Sincèrement, l'argent est très doux. L'argent est doux et important. Mais il y a une chose qui est très importante dans la vie des êtres humains. Que beaucoup d'entre nous négligent. Vous avez vu la considération, c'est très important. Si tu veux avoir quelqu'un dans cette vie-là, je ne parle pas des opportunistes. Hein. Dieu a créé deux types de façons. Il a créé ces hommes, les hommes de Dieu, qui sont pour la paix, pour l'amour, pour la considération. Il a aussi créé des gens qui sont purement matérialistes. Ils ne sont pas pour la vérité, ils n'aiment pas la paix, ils n'aiment pas la vérité. Tout ce qui les intéresse, c'est leur intérêt personnel. C'est des opportunistes. Donc partout, il y a l'opportunité, là, ils vont partir. Même si c'est avec qui, ce n'est pas leur problème. Maintenant, les personnes de Dieu, là, les hommes de Dieu, là, vous savez qui sont les hommes de Dieu? C'est les personnes qui ont la dignité. C'est les personnes, quand tu veux la voir, tu la considères. L'argent, on adore l'argent, on aime l'argent, mais ce n'est pas l'argent qu'il utilise, c'est lui qui utilise l'argent. Vous négligez quelque chose qui est très important, la considération. C'est important de considérer quelqu'un. C'est important d'être reconnaissant envers une personne qui t'aime. Quand quelqu'un se sacrifie pour toi, quand quelqu'un se bat pour toi, quand quelqu'un te t'aime, il faut être reconnaissant envers cette personne. Vous négligez ça. Vous mettez tout dans l'eau. C'est la négligence de Seloudalen qui a fait qu'il a perdu Ousmane Gawal. C'est la négligence et le manque de reconnaissance de Seloudalen qui a fait qu'il a perdu Ousmane Gawal, qu'il a perdu Bahouri, qui nous a perdu nous les Nyeloui. Parce qu'il a négligé l'enterrement de mon père. Il n'a pas été reconnaissant. C'est ça. Donc c'est les mêmes raisons. C'est les mêmes raisons qui ont fait aujourd'hui toute personne que c'est le père là. Dans sa vie, des personnes qui étaient censées apporter quelque chose dans sa vie positif, c'est deux choses qui lui font perdre ces deux personnes-là. C'est sa négligence et manque de reconnaissance. C'est ça. Aujourd'hui, Tchangel, il est où? Alpha Bakar, il est où? Nous, les Nyele, nous sommes où? Ousmane Gawal est où? Bahour est où? C'est tellement nombreux, la liste est tellement longue que pourtant, nous tous, là, on pouvait l'apporter quelque chose de positif. Dans sa vie. On est sorti, on a quitté, on a été insulté, vilipendé, traité de tous les noms d'oiseaux. Mais ça a changé quoi dans la vie de celle positivement? Rien du tout. Nous-mêmes, on est contents de voir parce que de fait que vous acharnez contre nous qui ne sommes pas dans l'idée de celle qui ne sommes pas dans l'IFDG, ça a poussé les autres à détester celle et l'IFDG. Ils ont dit, mais attends, les gens là pensent que l'IFDG, c'est Dieu. Donc, c'est lui, il est prophète, quoi. Donc, il faut, comme vous êtes peur, vous êtes obligé à soutenir celle-là. Vous pensez que un malinqué qui sait ce qu'il veut dans sa vie, un malinqué digne, va voir l'acharnement de certains de nos frères et sœurs, peur contre nous, les peurs qui ont quitté l'IFDG parce qu'on soutient un autre camp, un autre parti qui n'est pas peur. Si tu es malinqué, digne, tu sais ce que tu veux, wallahi billahi, tu ne vas pas soutenir l'IFDG parce que tu vas te dire, les gens là nous ont montré qu'il faut soutenir ton parent. Eux aussi, ils vont soutenir leurs parents. Pareil, c'est un chouchou. Un chouchou digne qui sait ce qu'il veut, il ne va pas être dans l'IFDG, il ne va pas soutenir celle. Parce que quand il voit l'acharnement de nos certains frères et sœurs peuls qui ont contre nous, qui ont quitté l'IFDG, les chouchous vont dire, mais attendez, donc ça, ce n'est pas parti politique. Donc quand tu es peul, tu es obligé de soutenir celle. Nous aussi, comme on n'est pas peul, on est chouchou. On va soutenir notre parent chouchou. Le forestier qui sait ce qu'il veut dans sa vie, vous pensez qu'il va soutenir celle de l'IFDG en voyant ce que certains de nos frères, sœurs, peuls, la façon dont on nous attaque, on nous insulte parce qu'on est peul, on ne soutient pas celle où on est dans un autre camp qui n'est pas peul. Vous pensez que ce forestier digne qui sait ce qu'il veut, il va soutenir celle-là, il va dire, mais attends,
comme c'est un parti peu là, leurs frères et sœurs qui ne sont pas dans leur esprit sont insultés et tout. Nous aussi, on va aller soutenir notre frère forestier. Mais c'est ça, vous qui pensez insulter les autres là, vous qui êtes là en train d'insulter nous autres peuples qui ne sommes pas de l'IFDG là, vous donnez le courage et la force aux autres de ignorer celle de l'IFDG. Vous poussez les autres à détester celle de tous les jours que Dieu fait. Donc, vous n'aimez pas celle-là. Laissez celle-là. De moi, celle-là. Actuellement, j'ai trop pitié de celle-là. Parce que ceux qui sont derrière lui ne l'aiment pas. 98% des personnes qui le soutiennent ne l'aiment pas. Si vous aimez celle-là, vous n'allez pas vous acharner contre quelqu'un qui ne soutient pas celle-là d'aller. Wallahi billahi tallahi. Et vous, votre amour-là, sincèrement, moi, c'est moi. Si je regarde, je dis 98%. Des personnes qui aiment celle aujourd'hui, quand je vois votre amour là, si vous, vous ne m'aimez pas, ça ne me fait pas mal. Vous savez pourquoi? Celle d'Alain que vous aimez là, votre amour a changé quoi dans sa vie positivement? Rien du tout. Vous n'aimez pas Ousmane Gawal, il est ministre. Vous n'aimez pas Boaou, il est... C'est rien que nous d'abord, vous, vous ne nous aimez pas. En tout cas, moi aussi, Fatou, ah, moi je ne vais pas être quand même ministre, sincèrement dit, mais je vais les marcher, hein. Moi je vais les marcher, hein. Je veux les marchés, je veux les marchés, le carburant. Je veux les marchés de fer et puis de fer à béton et puis ciment. Je veux les marchés d'aménager les immeubles, les meubles de bureau et tout. Sincèrement, moi, je veux ça. Hein? Uh-huh. Surtout le carburant. Surtout le carburant. Parce qu'à l'époque, quand on me donnait le carburant à 7000 et moi, je revendais à 7500, dans la semaine, je pouvais avoir 6 termes de 3000. Attends, je ne suis pas là pour parler de ça. Je vais me taire. Donc, je vais vous dire, laissez les gens en paix. Habib Marwan, ce que tu es en train de faire, s'il te plaît, j'ai pas ton numéro, je veux ton numéro. Quand j'ai ton numéro, je vais t'appeler. Je vais te dire, arrête, tu n'es pas blogueur, tu es journaliste. S'il te plaît. Ce que c'est passé. Tu peux t'asseoir ici. Tu donnes le temps au temps. Tu regardes ce que Ousmane fait. Tu viens, tu t'assois, tu dis non. Ousmane ne travaille pas. Il a fait. Tu recherches les erreurs de ce qu'il fait à son ministère. Ça, c'est politique qu'on comprend. Mais aller parler des choses intimes, privées qui se sont passées. Il m'a dit, va me donner. Là, tu fais comme le fouillanté qui est flanqué ici. En Belgique, là, le nommé Barry White, là, qui s'est flanqué récemment pour aller comme il n'avait rien à dire, qui est sorti dire que lui, il a couché avec moi. Lui, il n'a rien eu, hein. Tout, il n'a rien eu. Avec tout, là, parce qu'il y a eu des malentendus entre nous, il est sorti pour lui, peut-être quand il sort, il dit ça. Et même si tel était le cas, est-ce que je suis sa tante? Est-ce que je suis sa mère? Est-ce que je suis son enfant? Est-ce qu'on est frère et sœur de même mère? Même si tel était le cas, on s'est vu, je n'étais pas vierge. Il est où le problème? Mais ça, c'est d'abord, c'est une petite personne. C'est comme le Madik sans frontières que j'allais même aussi parler. J'allais parler de Madik sans frontières. Est-ce que, c'est comme Madik sans frontières? Parce que si Madik sans frontières aussi, on ne s'était pas vu à la DPJ, il allait sortir aussi dire qu'on a couché ensemble. Heureusement, c'était à la DPJ. Lui, il sort, il dit que je suis allé le draguer. C'est pas ce qu'il a dit, que je suis allé envoyer 10 millions, je lui ai donné pour le draguer. Heureusement, lui, c'était à la DPJ, parce que lui aussi, il allait dire qu'il avait couché avec moi. Parce que je vous dis, les hommes de la Guinée, là, il y a que mes oncles et puis, mes oncles et puis mes frères de même mère, même père, c'est avec eux seulement, et mes neveux, c'est avec eux seulement que j'ai pas couché. Hein? Et puis les sages, les personnes, les religieux, quoi. Hein? Et puis mon papa Alpha Condé. Sinon, le reste là, tous les autres hommes guinéens, hein? Moi, Fatou, j'ai couché avec eux. Il est où le mal? C'est moi, non? Du moins, c'est moi. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vos mères? Est-ce que c'est avec vos mères ils ont couché ensemble? Est-ce que je suis votre enfant? Donc, si je couche avec quelqu'un, ça n'engage que moi. Donc, Habib Marwan. Ne fais pas ça, il ne faut pas être une petite personne en fait. Ne sois pas comme les fanfarons, sois diffamateur, menteur, comme même Barry White sur les réseaux ici. Parce que venir dire, il a voulu me donner 2000 euros, tout ça là. Si il te donne, tu prends. Vous êtes connu avant hier, avant aujourd'hui. Vous êtes connu il y a longtemps, vous avez fait des trucs ensemble dans l'IFDG. Donc si il te donne, il te donne.
pour venir, hein, il m'a donné, hé, hey, Marwan, toute personne qui te soutient dans ça, il t'aime pas. Hein? Là, les intelligentes vont te dire, non, le gars, là, nous, on croyait à son intelligence, on croyait qu'il était intellectuel, mais là, déjà, il n'a rien dans la tête. Pourtant, tu as quelque chose dans la tête, Marwan. S'il te plaît, faut pas accepter que le vent qui est là, tu vas aller avec... Non, arrête de t'acharner contre Ousmane Gawal. Laisse-le en paix. Laisse-le en paix. Il faut attaquer, si tu veux attaquer sa gestion. Mais venir dire que c'est la vidéo et tout ça, là. Moi, ici, sur TikTok, ils ont dit que c'est nous. Ils ont dit que c'est nous, non, qui ont fait sortir la vidéo. Il y a eu des gens qui m'ont insulté pendant un mois, mon frère et moi. Parce que je suis sortie dire, quand la vidéo de Charles est sortie, je dis, faites attention. Il y a une vidéo qui est en train de... qui surcure là. Attention, on est sorti alerté. Et là, il y a 5 vidéos. Hein? Même votre Mamadi Doumbouya, sa vidéo, il y a une vidéo de Mamadi à Fourekaria. Ça veut dire, parce que moi, j'ai dit ça. Moi, le jour où je vais faire sortir la vidéo, la nudité de quelqu'un, quand elle reprend la vie de mes enfants et ma vie, je ne vais jamais faire ça. Moi. Jamais de la vie. Il y a 5 vidéos. 5 vidéos des grandes personnalités du pays. Donc si ça va sortir parce que moi, je suis sortie avertir, dire ça ici, ça veut dire que c'est moi. Ça veut dire que c'est moi? Pour le jour où Mamadi va te prendre, Mamadi va m'accuser parce que c'est pas moi qui est la personne qui est sur la vidéo à Fourekaria là-bas. Hmm? C'est pas moi. Voilà. Il sait les conneries qu'il a fait. C'est pourquoi dans la vie, il y a des choses, ne le fais pas. Tu ne le fais pas parce qu'on sait jamais en fait, tu vois. Voilà. Il y a des choses là, on sait jamais. Ça risque de nous rattraper. Il faut, voilà. Donc, Mamadi sait que c'est pas moi. Wallahi, c'est pas moi. Et surtout, ce que je cherche, moi, jamais, quelle qu'en soit la haine que je vais avoir pour quelqu'un. Je vous dis, même pour Bala Samoura. Pourtant, c'était chaud à l'époque. Hein? Quand la fille m'a contactée, elle m'a rajoutée sur Snap, on a parlé. Je l'ai menacée. C'est à cause de moi. Parce qu'elle sait, je l'ai dit, le jour où cette vidéo va sortir, elle aura affaire avec moi. Parce que déjà, j'ai tout. Voilà, et ça c'est Bala. Pourtant, tous nos problèmes qu'on a eu en Guinée, c'est Bala. S'il y a quelqu'un que je déteste dans ma vie aujourd'hui, quelqu'un que je prie Dieu, après ce pouvoir qui pourrisse en prison, c'est Bala Samoura. C'est Bala. C'est Bala qui a appelé le juge pour que le juge me condamne 4 ans. C'est Bala qui a dit au juge que Nielui, qu'on condamne Nielui 15 mois. C'est Bala qui a arrêté Nielui. Bala, tu vas pleurer. Ya Allah, ya Rabbi, on t'a rien fait. Moi, je t'ai aimé, je t'ai respecté en tant que grand frère, je t'ai considéré. Je faisais venir des gens avec qui tu faisais des affaires, ils te donnaient de l'argent. Je t'ai pris comme un grand frère. Tu es venu nous faire pleurer. Allah va te faire pleurer devant le monde entier. Tu vas pleurer, tu vas pourrir en prison. Tu as eu la chance que la maison centrale est reconstruite. Au moins, tu vas aller dans le confort là-bas. S'il y a quelqu'un que je déteste, que je n'aime même pas voir, mais c'est pas prendre sa nudité et mettre sur les réseaux. Qu'Allah m'en garde. Je ne vais jamais mettre la nudité de qui que ce soit, quelle qu'en soit la haine que je vais avoir pour toi. Donc Marwan, quand tu dis Ousmane t'a dit ça, je ne l'ai pas enregistré parce que... Hein, pourquoi je ne l'ai pas enregistré? Mais voici des messages que tu as montrés. Marwan, sors dans ça. Tu as dépassé ça. On est à Bobo. Sincèrement, oncle Marwan, moi je t'apprécie beaucoup. Je t'aime trop. Tu es mon oncle à cause de ta nièce. Avec qui j'ai étudié, c'est une amie à moi. Tu connais. Donc, voilà, piquez Guima. Faut pas rentrer dans les trucs de petites personnes là. S'il te plaît. Faut pas être comme m'a dit que sans frontières, sans conviction, hein, sans dignité là. Faut pas être comme un Barry White sur les réseaux ici. Et laisse les réseaux sociaux. Pardon, les réseaux sociaux, tes lives sur Facebook là, je ne veux pas. S'il te plaît. Faut pas être. Parce qu'il n'y a même pas de blogueur en Guinée. Faut pas être papato de quelqu'un qui va diffamer. Ne regarde pas. Moi, aujourd'hui, si je voulais, l'IFDG allait m'applaudir ici. J'allais venir faire des lives ici, attaquer Mamadi Doumbouya, aller insulter. Les gens là allaient m'applaudir. Hé, Fatounier-le. Mais j'ai refusé. Je n'attaque ni IFDG, ni le CNRD. Je ne veux l'amour de personne d'entre eux. Je ne veux pas l'amour de l'affection de qui que ce soit d'entre eux.
Si j'attaque CNRD aujourd'hui, IFDG sera content, ils vont m'applaudir. J'attaque IFDG, CNRD sera content. Mais je refuse, je reste moi-même. J'en ai rien à foutre, on n'est pas en élection, on n'est pas en campagne, je suis RPG jusqu'à nouvel ordre. J'attends le bon moment, au moment des campagnes, je vais venir parler de mon président, faire campagne de notre futur président de la Guinée, qui sera élu par notre parti, le RPG Arc-en-Ciel. C'est tout. Donc je ne vais pas gaspiller, je ne vais pas, je m'en fous, je ne rentre pas. Oui, je n'attaque pas le CNRD à cause de mon frère Mori Kondé. Sincèrement, je ne vais pas le faire. Parce que lui, il dit, si tu veux attaquer, maman dit, attaque-moi, moi. Et qu'Allah m'en garde. Si je peux attaquer ma mère, si je peux attaquer mon père, si je peux même attaquer Alpha Condé, je peux attaquer Mori Kondé. Mori Kondé et Touré, ce qu'ils ont fait dans ma vie là, hein, de 2014 de nos jours, 2014, m'aider à évacuer des gens, quand je les appelle pour un problème, quand il y a des choses que je ne peux pas faire, à la minute, et là, simple ONG, hein, en 2014, 2015, toutes les années passées. Moi, je vais prendre tout ça, mettre dans l'eau parce qu'aujourd'hui, je n'aime pas Mamadi. Moi, c'est ce qui fait ma différence. Moi, je connais hier. Je ne vis pas que le présent. Je vais vivre le passé. Hier, là, ce qui s'est passé hier, je ne vais jamais oublier ça. Donc, Mashallah, Mamadi, si tu as eu la chance parce que si tu avais enlevé mon frère Morila, et Mamadi, j'allais être la star. Parce que CNRD aujourd'hui, IFDG aujourd'hui, tous leurs rêves, c'est que moi, je t'attaque. Ils vont partager ça. Ils vont venir, hé, hey, c'est une femme. Ouais, parce que ça, c'est pas sur eux. Pourtant, quand tu n'aimes pas les jeunes juifs, tu dois condamner. Mais il y a des gens en Guinée, ils sont pas contre les jeunes juifs. Ils sont juste contre les personnes qui les insultent. Et ça, c'est pas juste. Quand tu n'aimes pas les jeunes juifs, tu dois condamner. Même si moi, je m'asseyais ici, j'ai insulté quelqu'un que tu n'aimes pas, tu dois condamner. Tu dois dire non, elle ne doit pas le faire. C'est ça, être contre quelque chose. Mais ah, tu es contre la chose si c'est sur toi. Tu applaudis, tu aimes si c'est sur les autres. Ça, c'est être hypocrite. À un moment donné, assis-toi, tu te dis qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu es qui au juste? Donc, IFDG, je vais parler encore de vous. Vous avez vu Madik sans conviction. J'ai appelé Damaro, je l'ai dit. Damaro, pourquoi tu as pris Madik? Pourquoi tu es venu? C'est que pourquoi prendre Madik? Parce que Madik était prêt à t'insulter, toi, Damaro. Madik, sans conviction, était prêt à tout de faire, toi, et Damaro. C'est parce qu'il n'a pas eu la chance. On a vu Madik ici, quand le CNRD est venu au pouvoir. Hé, hey, le CNRD, ils ne sont pas bêtes. Hein. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un, si le CNRD va négocier avec des gens là, c'est nous. Moi, personnellement, Damaro, les Benito, les Matoula, les Mahmoud Silla, parce que les grands Pitaka, parce qu'ils vont se dire, ah, les gens là, eux là, c'est des personnes, quand ils te disent un, c'est un. C'est des hommes de parole. C'est pas des fakes. Ils ont plus confiance en nous que vous. Quand le CNRD a pris le pouvoir, vous n'avez pas vu le comportement de Madik ici? Il est venu s'attaquer à l'IFDG, les traités. Et puis au-delà de ça même, tu sais, la chance que toi m'as dit, tu sais, moi je suis une personne, je ne dis pas les conversations en privé. Ce qu'on s'est dit en privé, tu sais, c'est cette chance que tu as. Sinon toi, tes propos que tu as contre IFDG, fais où? C'est l'oudalène. Quand je te vois, tu es hypocrite, toi m'as dit. Tu le sais, je sais que tu es hypocrite. Et quand maintenant, en public même, tu es venu dire que tu as démissionné. Tu es venu, tu as soutenu CNRD. C'est normal. Tu t'es attaqué à l'IFDG. Et si tu as raconté du n'importe quoi. Comme tu es allé en Guinée, tu n'as rien gagné avec le CNRD. Tu es allé avec ton histoire de c'est même pas quoi. Amara vous a dit qu'il y a le RTG pour ça. Amara sait que vous êtes des démagogues. Amara sait que vous êtes tous des démagogues. Vous êtes des menteurs manipulables. Vous êtes des manipulateurs, en fait. On peut vous manipuler à any time. Qui va avoir confiance en vous? Il t'a vu dans le passé pour des personnes dont tu te disais, je peux mourir même pour les gens là. Ils ont vu ton comportement en un ex de temps. Tu penses que c'est CNRD, c'est tout le monde qui est bête là, hein? Le bête seulement, c'est Mamadi Doumbouya. Parce que lui, il est long et gros, gaillard. Tu sais, c'est lui le bête parmi le CNRD. Hein? Amara a refusé. Tu es allé faire le tour là-bas.
Les gens ont refusé de te rencontrer. D'abord, Doumbouya, c'est la deuxième fois que tu es allé, que tu as eu la photo là. Ou bien, tu as eu quoi avec Mamadi? Comme tu as vu maintenant, tu es allé, tu allais partir, on allait te donner les iPhones que tu as demandé. Parce que, hey, je suis aux États-Unis. On connaît c'est quoi l'Occident? Il n'y a rien. Tu es au Canada. Même vos dollars là, vaut même pas quelque chose. Tu n'as rien, tu n'es rien. Hein? Tout ce que tu as eu ici, c'est à travers l'IFDG. Parce qu'il y a des comptes dans l'IFDG. Dès que tu aimes, tu soutiens Sindou. On prend tout, on te donne. Tout ce que tu as eu, c'est grâce à l'IFDG. Tu connais? Hein? Même, il y a déjà, même s'ils veulent femme là, ils vont venir dire que c'est lui, on t'aime, on est avec toi pour gagner femme. Après ça, ils vont tourner aussi, ils vont montrer leur vrai visage. Donc, on connaît qui sont des gens. Donc, Marie, tout ce que tu as eu, c'est grâce à l'IFDG. Tu sais ça, non? Tu es venu, tu t'es attaqué à celui IFDG à un moment ici. Hein? Gaïe, mon père, menteur que tu es. Tu es un gros, tu es un mytho. Tout ce que tu as dit là-bas, tu mens. Wallahi billahi tallahi, sur leur saint Coran, sur ce mois béni de Ramadan, Madik sans frontières, tout ce que tu as dit dans le live de Damaro, tu mens. Tu es un menteur. Tu es sorti à un moment ici faire croire que nous, on a voulu te négocier pour t'envoyer dans le RPG. Si jamais personne ne t'a négocié, moi, c'est moi qui ai mis ton père, paix à son âme, en contact avec Alpha Condé. C'est moi qui ai mis ta famille en contact avec Alpha Condé. C'est moi qui ai pris le numéro de Alpha, j'ai donné à ton père, je dis écris-le. Laisse 22h moins, tu l'écris un message et puis tu dis que c'est Fatounelo qui m'a donné le numéro. Il va t'appeler. C'est moi qui ai fait, vous avez parlé. C'est moi qui ai fait que tu as été, vous avez été reçu. Qu'est-ce que toi tu as à dire? Après tu dis qu'on t'a négocié. Tu vaux quoi? Qu'est-ce que tu peux si ce n'est pas le mensonge? Tu aimes tellement le nom, ce verre de fer de l'imp. Tu n'es rien, Madik sans frontières. Tu viens te faire jarre. C'est parce que le CNRD ne t'a pas donné les opportunités. Tu t'attendais à un poste. Et là, tu as attendu que le gouvernement a été encore nommé. Tu n'as rien, tu n'es rien. On ne t'a pas même calculé. Tu vas un simple papato sur les réseaux. Même tes Français là ne sont pas clairs. Tu penses avoir quoi dans le CNRD là-bas? C'est cette haine que tu as. Maintenant, tu veux venir faire jarre. Quitte ici, ouais. Tu es allé combien de fois depuis l'arrivée de Mamadi à la tête du site? Tu n'as rien gagné. Tu n'as rien gagné à part 500 dollars, 1000 dollars. Même moi, je peux te donner ça. Malgré quand je te donne l'argent, c'est pour dire que je suis amoureuse de toi. Même moi, je peux te donner 2000, 3000 dollars. Même moi. Hein? C'est parce qu'on te donne maintenant, tu n'as plus rien, ils ne t'ont pas considéré, tu n'as pas eu quelque chose, tu n'as rien gagné. Toi, Madik, sans conviction, tu viens faire jarre, tu viens. Moi, j'ai dit à Damaro, il sait. J'ai dit, Damaro, je n'ai pas aimé ce que tu as fait. Je dis, je n'ai pas du tout aimé. Je dis, pourquoi faire ça? Hein? Il n'a qu'à aller activer son live. Il n'a plus de popularité. Personne ne veut de lui, personne ne le calcule. Hein? Mais comme certains IFDGistes là, ils sont bous, je dis. Comme certains IFDGistes là, c'est des moutons, certains d'entre eux. Ils vont venir encore, il va venir parler deux mots doux sur ces loups d'Alain. Vous allez dire, hey, Madik, c'est parce que Mamadi l'a rejeté, c'est parce que le CNRD n'a pas gagné ce qu'il voulait. C'est pourquoi il revient vers vous, pour faire de vous l'échelle encore pour qu'il monte. Parce que on a un IFDG, on n'a ni qu'on angle. Fala de gaudre, on a un gaurata. Et on a moussalan. Oudite, gite mon den. Habe hakil. Habe hakil, seda. Ande gide mon. Sendinire gagne mon et gide mon. Sendinire arovo. Utilise un. Sendindire yidudon e yidando sendindire aden wo yetto wo wada on yangal taw ko yaro sendindire aden ge wado won echel cikara ko yaro jawa towa ono mi don don on bousata parce que echel serva ta hon echel serva ha hande na fal hore mu goddo l'echel ha hande l'echel n'a jamais apporté quelque chose pour quoi c'est les gens vont toujours l'utiliser. Quand on te dit échelle là, c'est que tu ne vois absolument rien. Parce que toi-même, tu ne peux même pas te servir quelque chose. Tu es l'échelle, c'est les gens qui vont venir monter, aller prendre ce qu'ils ont à prendre en haut. Et puis voilà, toi tu es là intact. Donc, quand tu es ni mongol échelle IFDG, tu as fala de yaudo, que mon yaurata. Madik fala kan hande, fala kan django, c'est pour venir
encore profiter de vous. Il est venu profiter, il a tout gagné sur vous. Après, au Dampion, au Lyonko, Sokadu, Nemo, Falakan. Et m'a dit, pourquoi tu es parmi les ministres de Mamadi là? Pourquoi tu t'acharnes contre Ousmane Gawal? Parce que lui, il ne t'a pas donné quelque chose. Parce que vous avez fait la prison ensemble. Parce qu'il ne t'a pas reçu. M'a dit que tu n'as même pas honte, toi. Wallahi billahi, tu n'as pas honte. Pourquoi les autres ministres, tu ne t'acharnes pas contre eux? Parce que Ousmane n'a pas pris l'argent qu'il t'a donné. Parce que tu penses que Ousmane te doit quelque chose. Il y a l'argent ou il y a un projet entre vous. Hein? Il ne te doit rien s'il ne t'a pas reçu. Il a bien fait. Il reçoit qui il veut. Est-ce que c'est une obligation? Hein? À venir parler. Tu es un gros menteur, m'a dit sans frontières. Tout ce que tu as dit là-bas, si tu ne mens pas, qu'Allah n'accepte pas mes gènes. Tu es un gros mytho, m'a dit sans frontières. Que c'est le dans les vêtements. Toi, tu peux faire un coup d'État. Toi, tu es qui? Tu es à quoi? Si celle-là pouvait faire un coup d'État, ce n'est pas le temps de Mamadi, il allait faire un coup d'État. C'était un autre temps, le RPG. Il n'a pas fait coup d'État là où le président était civil. C'est quand le militaire armé jusqu'au dalle là, qui utilise même les chars de combat, c'est en ce moment que celle-là va penser faire coup d'État. S'il y aura coup d'État en Guinée, c'est un militaire proche de Mamadi qui va dormir. Dieu va nous aider ce jour-là. Il va prendre l'esprit de tous les bons Guinéens, ce que nous pensons là. Il met dans l'esprit de ce militaire. Brac! Il se lève, il est là. Il a son truc ici. Mamadi est devant lui. Après, il fait wobon, wobon, wobon sur les pieds de Mamadi. Trois balles et puis il tombe. Et puis c'est fini. Et puis, il ne faut pas qu'il meure. Hein. Sincèrement, je veux aller saluer Mamadi Doumbouya à la maison centrale. Un jour, j'ai pris Dieu. Qu'un jour, Dieu montre à Mamadi les personnes qu'il a pensé l'aimer aujourd'hui, que c'était ses pires ennemis. Qu'un jour, qu'il se retrouve en prison et que c'est nous, là, moi, j'ai trop pitié. Hein. Le jour où il ira en prison, voilà, je vais aller lui saluer. Je vais dire, tu as vu. Quand nous, on te parlait, tu nous as pris comme des ennemis. Je ne suis pas là pour me moquer. Hein. Mais ça aussi, ça va servir de leçon aux autres Guinéens. Je vais dire ça à Mamadi Doumbouya et tout, puis je vais quitter. Vous savez, j'avais pris Dieu ici. Je dis, Allah, je veux que Dieu donne longue vie à Alpha Condé et qu'un jour, il n'est pas président et qu'on est tous en vie. Il va voir que moi, nous, les Nielo, on ne le soutient pas pour ce qu'il a, mais plutôt pour ce qu'il est. Moi, j'aime Alpha. Je vais l'aimer pour toujours. Alpha, c'est mon amour, c'est mon bonheur, c'est... Malgré, il y a des gens qui l'appellent... Ah, tu as vu, les Nielo, ils sont CNRD et tout ça. Voilà. Après, c'est lui-même qui me dit, ah, tu, quand ils m'ont dit ça, j'ai ri seulement. Je dis, papa, vous voulez quoi? Nielo est dans le pays là où Mamadi est. Vous voulez qu'il attaque Mamadi? Que non. Je dis, vous voulez qu'il parte en prison? Que non, non. Je dis, maintenant, si les gens... Parce que quoi? Et n'oubliez pas que CNRD, là, ce sont des RPGistes. C'est les aigris du RPG. Les frustrés du RPG qui sont CNRD, ceux qui n'ont rien gagné au temps de votre temps là. Ils se disent que leurs parents sont RPC, ils n'ont pas gagné. Eux-mêmes, ils sont RPG, ils n'ont rien eu. C'est nous les arc-en-ciel qui ont gagné quelque chose, donc ils sont fâchés contre nous les arc-en-ciel. C'est les aigris, c'est les frustrés du RPG qui sont CNRD, ceux qui sont... Je les ai dit ça, je dis donc papa, vous-même, vous savez que... Voilà. Après, elle dit oui, je sais, donc voilà. Et c'est la vérité, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Hein? On a nos grands. Nielo est assez grand là-bas. Moi, personnellement, Mori Kondé, ce n'est pas le RPG qui m'a montré Mori. J'ai connu Mori, j'étais de l'IFDG en 2014 à travers son ami qui est Touré. En 2014, j'étais de l'IFDG. Donc, ça n'a rien à voir. Et moi, je suis une personne qui garde les relations, qui garde les bonnes personnes. Moi, c'est rare que... Moi, je ne me rappelle même pas d'avoir dessus quelqu'un en premier. Je ferai tout pour ne pas te décevoir. Quand je vois que ça ne marche pas, je te laisse partir. Donc voilà. Nous là, alors je prie même le même Dieu là, de donner aussi longue vie à Mamadi. Hein? Mais qu'un jour il se retrouve en prison, il va voir les soi-disant personnes qui lui disaient ici. Non mais Mamadi, tu es bête là. Mamadi, tu n'as pas vu les personnes qui montaient ici, qui descendaient, qui disaient que Alpha Condé. Est-ce que tu as vu les gens aujourd'hui? Il y a peu de gens qui parlent. Aujourd'hui, combien sont avec toi là-bas? Des personnes qui se disaient, même toi, Mamadi, l'exemple n'est même pas plus que toi. Toi, si on a... Toi qui pensais que... Qui pensait, pouvait imaginer que toi, tu pouvais faire le coup de ta Alpha Condé? Hein? Qui pouvait imaginer que toi, tu pouvais faire ça, Alpha Condé?
Toi, tu as traité ton bienfaiteur, quelqu'un qui a fait de toi ce que tu es. Hein? Tu es venu parce qu'il a bloqué tes intérêts. Parce qu'à un moment, il a bloqué tout. Tu ne gagnais rien. Pendant 6 mois, il y a eu des conflits. Tu t'es levé, tu es allé le chercher dans son palais. Donc, un jour là, un militaire, s'il y aura un coup d'état en Guinée, c'est un militaire patriote qui va se réveiller. Je dis, l'esprit de tous les Guinéens va rentrer dans sa tête. Il a les trucs là-bas. Là. Il vient, il te donne 3 barres sur les pieds, tes longs pieds là. Maintenant, quand tu vas guérir, tu vas être mal comme X. Quand en marchant là, tu marches comme ça. Oui, je prie Dieu. Ça, c'est ça. Mais celui-là n'a pas fait coup à un civil, Alpha Condé. C'est à toi qu'il va faire. Mais Madik, tu es un menteur, tu es un manipulateur. Fenay, Madik sans frontières. Hakuneng Allah. Ce Fenay, ce manipulateur, c'est parce que vous avez les gouttes de CNRD. Quand vous avez dit que vous avez fait un peu de temps, vous profitez. Et non, vous avez fait un peu de temps, vous avez fait un peu de temps, vous avez fait un peu de popularité. Vous avez fait moi, je n'ai pas popularité parce que j'ai une vidéo ma colonne, ni CNRD, ni de mon corps. Ah, vous avez vu? Parce que sous ta menace, dès que tu menaces le CNRD, là, ils vont chercher à rentrer en contact avec toi. Donc, m'a dit, comme ce qu'il a fait là, il est allé chez Damaro. C'est ce que j'ai dit à Damaro. Je dis, tu as fait promo, tu as aidé. Là, là, il est dépanné. Ils vont l'appeler, on va lui donner au moins 10 000 dollars, il se tait. Là, là, après cette sortie là, chez Damaro là-bas. Tu regardes tout de suite là, on l'a envoyé 10 000 dollars pour se calmer, pour le calmer encore. Il va se calmer, hein, après aussi il va venir. Parce qu'il s'est habitué à ça. Quand il fait blague, il lui donne l'argent. C'est un menteur. M'a dit, Fenay, Billahi Wallahi Tallahi, le plus grand mytho en Guinée, c'est toi, M'a dit sans frontières. Tu aimes tellement, qu'est-ce que tu veux? Tu es venu dire que tu n'étais plus de l'IFTG. Ismaël Condé soutient Mamadi, mais il est de l'IFDG. Est-ce que parce que CNRD est venu, il a dit qu'il n'est plus de l'IFDG? Est-ce qu'il a démissionné? Non. Mais toi, tu es venu après, tu es sorti, on a vu, tu es sorti ici. Tu es venu parler, raconter du n'importe quoi. Mais comme je dis, certains IFDG, ils sont bous. Oh oui, wapé mon ko dami. Oui, on a un IFDG, wapé mon ko yangal. Ça, là, il y a de l'autre, mon arfa, yawa. Madik, tu es un menteur. Madik, tu as oublié. Moi, c'est, vous avez la chance que tout ce que quelqu'un va me dire en privé, je ne vais pas sortir dire. Quand tu m'appelais pour chercher à négocier, tu es un grand mytho. Tes propos contre celui de l'IFDG, c'est ce qui me fait pitié. Et je voyais sur vous, il comptait quoi. Hey, moi, j'aime Alpha, il n'est pas au pouvoir, mais personne ne va passer par moi pour dire un mot sale sur Alpha Condé. Personne, moi je ne vais pas aimer quelqu'un et puis te diffamer ou rester là où on parle mal de toi. Ou m'asseoir parler mal de toi. Jamais de la vie. Moi Alpha là, je l'ai dit c'est Alpha. Je vais l'aimer jusqu'à la fin de mes jours. Je vais l'amour que j'ai pour Alpha, je vais l'avoir jusqu'à parce qu'il m'a aimé. C'est grâce à lui aujourd'hui que je n'ai pas été chiffon au sein du RPG. C'est grâce à lui. Il m'a dit regarde-moi. C'est lui que j'ai regardé et c'est lui que je vais continuer à regarder. Le reste, j'en ai rien à foutre. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Je ne travaille pas pour quelqu'un dans le RPG. Personne ne me paye. Je suis libre et indépendante. Je fais ce que je veux. Je fais ce que bon me semble. Quand je vois la vérité, je viens dire. Voilà. Personne ne me paye. Personne ne peut même pas me payer. Je dis ce que... Je dis la vérité. Tu es mental, ou tu n'aimes pas, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce qu'un Guinéen peut dire sur moi que je n'ai pas entendu? De raconter du n'importe quoi. Personne n'a rien pour me détruire. Rien du tout. Rien du tout. Ni de conversation, ni nudité. Rien du tout. Personne n'a rien pour moi me détruire. D'accord? Donc, j'en ai rien à foutre. J'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Je ne cherche pas l'affection et l'amour des gens des réseaux sociaux. J'en ai rien à foutre. Je vis ma vie. Quand Allah hein, et le prophète Mohammed paient salut sur lui, c'est pourquoi je ferai tout pour arrêter d'insulter. Parce que ça... Ça va pas mettre de la valeur sur moi. Ça, c'est la seule chose que je fais et que Dieu n'est pas fier de moi. Le prophète Mohammed, paix salut sur lui, n'est pas fier de moi. Les injures. Ça, là, je vais arrêter pour ça, pour Dieu et pour le prophète Mohammed, paix salut sur lui. Parce que je ne vais pas dire des injures et puis après, ils vont être fiers de moi. Seulement ça. Sinon, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. J'en ai rien à foutre de l'avis de qui que ce soit. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Je dis... Quand Dieu et le prophète est dans ma vie, le reste là, je cherche quoi après? Je ne cherche rien. Donc à un moment donné, il faut que les gens vous ouvrent vos yeux. Hein? Voilà.
La politique, là, il faut savoir le faire. On le fait avec la tête. Regardez l'exemple aujourd'hui au Sénégal. Moi, je suis Sonko, j'ai soutenu Sonko. J'ai vu le projet de société de Sonko. Il est allé en prison. Moi, je faisais des prières pour Sonko. C'est quelqu'un que j'ai... J'aime Sonko. J'aime Sonko. Les gens disaient, non, Sonko n'aime pas les peuls, machin, tout ça, là. Le médecin de Sonko, il est Diallo. Il est peul. Son conseiller, son ami, il est peul. Vous aimez parler pour parler. Ce monsieur, c'est un panafricain. Il n'a même pas le style de dire que c'est... Vous allez voir. C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui va gagner avec Sonko. Et Sonko, il va gouverner 4 mandats. Là, là, il y a les 2 mandats, là. Bachir va faire les 2 mandats. Mais c'est la forme, hein. Bachir, président, là. C'est parce que Diem Sonko que Bachir est devenu président, là, là. Il va faire 2 mandats. Les 2 autres mandats après, Sonko va encore se présenter. Donc, Sonko va gérer le Sénégal pendant 4 premiers mandats. Deuxième mandat, Bachir, mais c'est la forme. C'est Sonko le président. Maintenant, après, Sonko va venir aussi sur la liste. On va voter pour lui, il va gagner. Il fait aussi 1 mandat. Il va faire 2 mandats. Ça fait 4, lui seul. Ça, c'est Dieu qui a, parce qu'il n'y aura jamais 4 mandats au Sénégal. Mais comme Dieu est pour Sonko, lui, il fera 4 mandats autrement. Mais bien sûr, regardez l'exemple qu'ils ont montré, la démocratie. Regardez aujourd'hui les images de Sonko et le président et Macky Sall aujourd'hui. Regardez les images là, qui sont les perdants? C'est les personnes qui se sont entretuées ici pour des politiciens. Aujourd'hui, regardez les images, ça dit tout. Les images disent tout. Donc la politique, ne le faites pas avec le cœur. Faites la politique avec la tête. À un moment donné, il faut savoir quand on doit mettre le feu, quand on doit être stratège, quand on doit être calme, quand on doit reculer, quand on doit foncer. Mais vous n'avez pas ces stratégies. Vous avez que la bouche à insulter les gens, parler pour parler, diffamer les gens. Donc à un moment donné, les vrais Guinéens savent qui est qui dans ce pays-là. Stopper, arrêter. Personne ne peut intimider quelqu'un. Voilà. Donc, Madik, je dis que tu mens. Tout ce que tu as dit, billahi wallahi talak, tu es le plus grand menteur. Toi, Madik, tu dis que nous, on a voulu te négocier. Si nous, on a pensé à te négocier, si quelqu'un t'a négocié dans le RPG, qu'Allah n'accepte pas mon ramadan, que le mois de ramadan ne finit pas que moi, je suis en vie. Toi, Madik, sans frontières. C'est là que j'ai eu peur de toi. On peut chercher popularité comme ça. On peut se faire donner de l'importance dans le mensonge comme ça. Ça, c'est un. Deuxième, quand toi, tu as dit que moi, je suis allé te donner 10 millions, je voulais de toi te draguer, même si tel était le cas, même si tel était vraiment le cas, quelqu'un qui est responsable, respectueux, qui sait ce qu'il veut dans sa vie, est-ce qu'il avait besoin de venir dire ça? Tandis que tu mens. C'est quand toi, tu me voyais, tu bandais là-bas. Tu étais fou amoureux de moi. C'est parce que je ne t'ai pas donné l'occasion. C'était à moi de venir dire ça. Mais même si c'est ça, pourquoi le dire? Si tu es amoureux de moi, c'est normal. Je suis une très belle femme. Moi, je suis l'une des femmes que presque tous les Guinéens, à part les sages, hein, les personnes, les sages du religieux, mes oncles, mes neveux, mes grands frères, là, de même mère, même père, là, hein? Mes oncles maternels et paternels, là, il n'y a que eux qui ne fantasment pas sur moi. Sinon, tous autres Guinéens, là, je suis la femme de votre rêve. C'est normal. Regardez, moi qui viens de couper mes cheveux il n'y a pas longtemps. Regardez, mes cheveux sont ressortis. Regardez, je n'ai pas de boucle d'oreille, là. Regardez la beauté. Je suis en gêne, hein? Hein? Je suis en gêne. Mais je sais, moi-même, je sais que je suis une très belle femme. Je suis une belle femme, moi. Donc, quand un homme veut de moi, il est où le mal? Si moi je veux, mashallah, si je ne veux pas, ça ne veut pas. Est-ce que c'est ce qui doit m'emmener sur les réseaux pour dire cet homme veut de moi? Mais ça, c'est de se sous-estimer. C'est de se ridiculiser. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu n'as pas besoin. Quand quelqu'un veut de toi, tu veux de la personne, mashallah, tu ne veux pas, tu te tais. Ça n'engage que toi. Hein? Mais c'est ça. Donc, Madik, tu es un menteur. Tu es un manipulateur. C'est parce que le CNRD t'a pas accordé de l'importance.
C'est parce que le CNRD s'en fout de toi. C'est parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais avec CNRD. Si CNRD avait mis toutes les conditions sur toi ici, c'est tu allais sortir insulter Seloudal et tu allais faire des choses sur Selou que nous, les Nielo, on n'a pas fait sur Selou. Pourtant, vous, là, vous avez tort. Nous, au moins, il y a eu un problème qui était entre Selou et nous, qui était personnel, qui n'avait rien à voir avec la politique. Je l'ai dit et redit ici. Le problème entre Selou et nous, ce n'était pas politique. C'était à cause de mon père. Donc on est allé jusqu'on a vu la fin. Heureusement, mashallah, grâce à Maître Bereté, mon papa, on a mis bas la terre. La paix est revenue. Il n'y a plus de problème entre celui et moi. C'est fini. Hein? Nous au moins. Mais toi, celui t'a fait quoi si ce n'est pas te faire du bien? Il t'a fait quoi? Tu es allé en prison. Ils ont pris soin de toi. Ils ont tout fait. Ils t'ont donné tout. Ils ont tout fait. Qu'ils n'ont pas fait même pour Ousmane Gawal et les autres. Après, c'est toi qui es sorti, tu veux manquer du respect parce que le CNRD est venu. Parce que dans ta tête, comme tu étais malinqué, Mamadi était malinqué. Mamadi n'a pas... Mamadi, même si tu es malinqué, tu n'es pas dans son esprit, il s'en fout de toi, Goui. Mamadi, c'est un traître. Mamadi, même Alpha le malinqué, il n'a pas laissé. Qui va laisser? Mamadi, il faut être dans son esprit pour qu'il te considère. Tu n'es pas dans son esprit, si tu veux, c'est toi-même le quoi, même, il s'en fout de toi. C'est pas un problème, hein. Donc c'est parce que le CNRD t'a pas calculé, toi, m'a dit que sans conviction, menteur, manipulateur, tu es venir après Damaro. C'est pas toi-même, c'est Damaro qui t'a... C'est lui, il sait, je l'ai appelé, je lui ai dit ce que je pensais. Parce que moi... S'il y a quelqu'un que j'aime et que je considère, c'est Damaro, c'est Ansou Damaro. C'est Ansou Damaro, il sait, il m'appelle tout de suite, il dit arrête ça, j'arrête, ne fais pas ça, je ne fais pas. Nofa, tu laisses tomber, mets bas la terre. Même si je t'ai fâché et tout, je dis ok, à cause de toi, j'arrête tout. Hein? Il sait. Moi aussi, je l'ai appelé, je dis je ne suis pas contente de toi. J'ai même laissé des méchants en public là-bas, quand tu étais là-bas. Hey, tu es un menteur, m'a dit sans frontières, tu es un mytho. Tu es l'ennemi numéro un de l'IFDG, c'est Loudalé. C'est parce qu'on t'a rejeté de l'autre côté, on n'a pas mis de valeur, de l'importance sur toi, tu viens raconter des conneries sur ici, là. Hein? Ngaïe, ils ont... Celle va faire quel coup? Laisse-le, Yandi, c'est Loudalé, tu n'es pas de l'IFDG, ne le calcule pas. Yandi, laisse-le en paix. Le monsieur aujourd'hui, c'est comment il va retourner en Guinée, aller participer aux élections, être candidat encore, hein? Ou bien s'il va faire comme, je ne sais pas, il va nous montrer aussi comme ce que Sonko a fait, s'il va désigner quelqu'un dans le... S'il va appeler Ousmane Gawal pour le dire, il faut démissionner à ton poste de ministre. Hein? Et puis après, tu viens, je fais un décret, on va, ou je ne sais pas, quel décret même. On va voter ici, on va aller au congrès. Et puis je te mets à la tête de l'IFDG. Peut-être qu'il va nous faire ça aussi. Hein? Et puis Ousmane Gawal, le président. C'est bien en tout cas. Moi, si Ousmane, mon neveu, est président, c'est bon. Ah. Hein? Ou bien. Ou bien c'est qui? C'est sur Ali Uba. Tu vas miser sur Ali Uba. Ah, Sonko, l'autre n'est pas son frère à dire qu'il faut que ça soit un peu. Parce que même si tu veux mettre Fodéoussou là-bas, là, ou les autres là, est-ce que tes militants, certains de tes militants ethno, est-ce qu'ils vont accepter quelqu'un à la tête de l'IFDG? Hey, dans un parti, il faut voir le projet. C'est vrai, même nous on a fait l'erreur là, avec le vieux et tout. Moi je l'avais dit quand même, je dis papa, et si on regardait une autre personne et tout? Mais après avec les projets, j'ai vu qu'ils voulaient vraiment... finaliser, inaugurer les projets Soapeti, Kaleta, la mosquée de Faisal, l'hôpital Ignace Dean, l'essengère de Bambeto, là, que moi-même j'ai fourni le carburant, le fer à béton, les ciments là. Quand j'entends les gens dire que c'est Mamadi, ça me fait même rire. J'ai eu marché, j'ai fourni, j'ai donné les ciments là-bas et fer à béton. Vous êtes malade, vous, Billahi. Gaïe Mamadi. Donc on a compris ça. Il voulait inaugurer ça et puis partir et tout. Et même si c'est Alpha, Alpha était mieux donc Mamadi qui est là. Il faut juste être haineux, avoir la haine
pour dire que non, nous on préfère Mamadi que Alpha Condé. Voilà, il faut être quelqu'un qui a un cœur noir comme ce que je porte là pour dire qu'on peut faire Mamadi que Alpha. Voilà. Donc, Mamadi, tu es un menteur. À Fenay, IFDG, c'est l'Oudalé. Mamadi s'enfonce que Fenay. Au Fenay, il veut venir faire ici, genre. Moi, je pouvais venir ici dire tout ce que j'ai dit sur toi ici, c'est CNRD qui m'a envoyé. Tu allais croire, vous allez croire et tout. Mais pourquoi mentir pour me faire de l'importance? Pourquoi? Hein? Même un monsieur qui était à Kindia, qui était allé dans le live de Mamoudou Silla, quand il est sorti dire que non, c'est CNRD qui envoie Fatou, j'étais sorti le démentir. Je dis non, moi personne ne m'envoie. Tout ce que j'ai fait contre ce Loudalé, je l'ai fait moi-même. C'est un combat personnel qui n'a rien à voir avec qui que ce soit. Donc je pouvais venir ici et dire que ah, CNRD, tout ce que j'ai dit sur celui-ci, c'est CNRD qui m'a envoyé. Non. Il y a eu certains membres du CNRD, quand ils parlaient, en fait, j'ai vu leur position, quand ils parlaient même pas de... Quand ils parlaient, il y a d'autres qui disent, les peuls là, je dis, eh, s'ils disaient, c'est le LIFDG, je pouvais comprendre. Mais quand ils ont parlé, ils ont dit, ah, les peuls là, tu sais, je t'ai vexé, je t'ai choqué, je dis non. Je suis pas dedans. Donc, faut pas mentir pour venir chercher le nom. Moi, aujourd'hui, je sors ici, je dis tout ce que j'ai dit dans, sur celui-ci, c'est CNRD, c'est Mamadi, ils m'ont fait ça, ils avaient braqué une arme, tout ça là. C'est IFDG va sortir, ils vont m'applaudir, ils vont être contents. Ça va me servir quoi? Donc, c'est ce que tu veux pour dire que, ah, tu as vu? Hein? Toi, maman m'a dit que tu penses que tu es dans tes films, non? T'es soit parce que c'est ce que tu aimes faire. Tu aimes les cinémas et tout. C'est ça? Tu penses que tu es réalisé tes films? Deux ou trois ou... Tu penses que tu réalisais un film ou... Et deux films ou je sais pas quoi? Madik? Pour venir dire... Qu'après ils ont dit... C'est le dans les... Toi, tu peux faire un coup. Mamadi n'a jamais... La ilaha illallah. Mohamed Rasoulay sallallahu alayhi wa sallam. Vous pensez que Mamadi est Alpha Condé? L'attention et la considération que Alpha Condé a donné à Selou Dalé. Mamadi s'en fout de Selou. Hein? Mamadi ne calcule même pas Selou. Il ne veut rien de Selou Dalé. Il ne sait même pas si Selou existe. Tout son rêve aujourd'hui, c'est Selou vient en Guinée, il le met en prison. Il le montre que voilà, qu'il est plus garçon, qu'il est homme. Il s'en fout. Hein? Mamadi n'a... La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est que Selou n'a pas pu contre Alpha Condé lui faire un coup d'état. Pour Alpha qui était civil. C'est Mamadi qui est armé jusqu'au dents là. Non, mais à un moment donné, Mamadi, les personnes là, nous on a réveillé leur conscience. Hein. Si tu pensais que c'est IFDG d'en passer là, venir mentir, venir parler, quand tu faisais, venir disait du n'importe quoi, des saletés sur Alpha et puis t'applaudissait, ils ont compris. Hein. Tu n'es qu'un mytho. Mamadi sans frontières, tu n'es qu'un mytho. Après que c'est celui qui ont accusé de... Parce que tu sais que tu t'es décidé encore. Tu vas plus repartir. En Guinée, non? Tu viens maintenant revenir attaquer CNRD, s'opposer. IFDG va t'applaudir, ils vont continuer à te donner de l'argent, c'est ce que tu veux? Comme d'habitude, ils vont t'envoyer les 2000, les 3000, tes dépenses, comme si c'était une obligation. Hein? Parce que IFDG, sincèrement, il y a des gens, c'est pas tout le monde, mais il y a des gens, eux, ils pensent aussi pour militer dans l'IFDG. Il faut que IFDG les prenne en charge. Quoi, c'est une obligation, payer leur location, leur donner leurs dépenses. Hein? On milite dans un parti par conviction, pas pour un intérêt personnel. Tu es Mamadi sans conviction. Tu es un grand mytho. Tu es tout sauf un patriote. Tu mens trop. Laisse le CNRD, Yandi, menteur que tu es. C'est toi qui es allé, ils t'ont pas... Tu ne peux rien les apporter. Ils ont vu que tu n'étais pas important. Amara t'a dit qu'il y a RTG pour ça. Tu es allé créer. Il t'a demandé, tu as demandé l'argent, ils t'ont pas donné. Tu as demandé... Tu penses que c'est NRD? Vous ne connaissez pas CNRD. Wallahi, vous ne connaissez pas CNRD. Si vous connaissez CNRD, vous allez suivre vos affaires.
Moi, ce que j'ai gagné avec CRD, moi si je vais aujourd'hui là, je vais gagner beaucoup d'argent avec CRD. Parce qu'il y a combien de mes grands qui sont là-bas. Moi si je veux, c'est Mamadi même, je vais appeler. Je vais lui dire, Mamadi, je veux 100 000, 200 000 dollars, donne-moi. C'est mon argent, c'est l'argent du peuple. C'est l'argent de mon papa qui l'a pris dans le truc. Donc à un moment donné, respectez les gens. Arrêtez vos conneries là. Arrêtez de venir mentir, dire des choses. Hé, hey, arrêtez. M'a dit que tu m'as rabé pour Afenay. Afeno, tu es un mytho. Si le CNRD t'avait donné ce que tu voulais là, si tu avais eu quelque chose avec le CNRD là, wallahi, l'IFDG n'allait pas être là. Même Damaro que tu as pris dans ton live, qui t'a pris dans son live là, tu n'allais pas être là. Tu allais l'insulter. Tu allais l'insulter, fatigué. Attendez, je vais aider ce faux compte qui est venu ici là. M'a dit qu'il est rentré avec son compte. M'a dit qu'il est venu avec son faux compte là. Que c'est la vérité. Moi, hey, moi, je n'ai rien à foutre des avis des gens. Je ne cherche pas l'amour des gens. Je ne cherche pas l'affection des gens. Je ne cherche pas à être aimé par des gens, surtout ceux qui sont sur les réseaux là. J'en ai rien à foutre de leur amour. D'accord? Les personnes qui m'aiment, que j'aime là, on est dans le privé.